Le journaliste Patrick de Saint-Exupéry se dit persuadé que les autorités françaises ont donc sciemment réarmé les responsables de ce génocide. Les précisions de Philippe Randriana, Rimanan. Réarmez-les. Titre choc de cette enquête publiée dans la revue 21 sur le génocide du Rwanda. À partir du 7 avril 1994, 800 000 Tutsis sont tués en l'espace de 100 jours. La France déploie l'opération Turquoise avec un mandat militaro-humanitaire. Pour l'auteur de l'article, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, réarmez-les, c'est l'ordre donné aux soldats français. Réarmer des Hutus qui ont déjà commis le génocide et fuient à présent les représailles des rebelles Tutsis. Il en veut pour preuve le témoignage d'un haut fonctionnaire de l'Élysée qui, en 2015, épluche les archives sur le Rwanda. Il explique qu'il y avait pas mal de remontées de terrain de soldats disant qu'on ne peut pas, ça n'est pas possible d'appliquer un tel ordre. Et à ce moment-là, il explique que cet ordre a été confirmé et que la personne qui confirme cet ordre est Hubert Védrine, à l'époque secrétaire général de l'Élysée. Contacté par TV5 Monde, Hubert Védrine ne souhaite pas répondre à l'article de la revue 21. Il rejette en bloc le travail du journaliste Patrick de Saint-Exupéry et nous renvoie au texte sur le Rwanda publié sur le site de l'Institut Mitterrand qu'il préside. Des textes qui défendent la thèse d'accusation infondée. La France n'aurait fait qu'honorer ses accords avec un pays francophone allié. Sauf qu'un embargo de l'ONU interdit dès le mois de mai 1994 toute livraison d'armes. Ces nouvelles révélations viennent alimenter un dossier sensible aux implications politiques, diplomatiques et judiciaires. La vérité est peut-être dans ces archives françaises sur le génocide rwandais, toujours pas exhumées. Et avec nous sur ce plateau, Guillaume Ancel, ancien lieutenant-colonel de l'armée française. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous étiez déployé au Rwanda dans le cadre de l'opération Turquoise. Vous attestez aujourd'hui ces accusations qui paraissent dans la revue 21. Qu'est-ce qui vous permet de dire que la France a bien livré des armes aux responsables du génocide après les massacres ? En général, je témoigne sur ce que j'ai fait et ce que j'ai vu. Au Rwanda, donc j'étais officier de la force d'action rapide, j'étais détaché dans une unité de Légion étrangère pendant l'opération et j'ai assisté à une livraison d'armes dans les conditions décrites par la revue 21. Donc je pense que c'est difficile de nier ces livraisons dans la mesure où maintenant on sait par qui elles ont été commandées et moi j'en ai vu l'application sur le terrain. Donc on est dans la deuxième quinzaine de juillet 1994. Mmh. Techniquement le génocide est terminé mais les génocidaires sont là. On s'en est jamais pris à eux. On a plutôt protégé leur fuite vers le Zaïre, la République du Congo maintenant. Et dans la deuxième quinzaine de juillet, je reviens un jour d'une opération d'extraction qui s'est mal passée. J'arrive sur la base de Siangugu, qui est le sud du Rwanda. Et le commandant adjoint de la base me demande de détourner l'attention des journalistes parce qu'un convoi d'armes va partir vers le Zaïre. Je suis interloqué, je le fais. Mais je suis interloqué le soir au débriefing. Nos débriefings sont sévères hein, dans ces opérations, ce sont juste nos vies qu'on joue. Donc le soir au débriefing, je demande des explications. Et là, les commandants du détachement m'expliquent sans trop y croire qu'en fait on livre des armes aux forces gouvernementales qui viennent juste de commettre le génocide. Hein. C'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'ils ont du sang jusqu'au cou. Qu'en fait on les réarme pour éviter qu'ils ne nous menacent. Voilà, comme si en réarmant des gens qui ont commis des crimes atroces, on risquait moins. Donc je suis furieux contre cette intervention et à ce moment-là je comprends qu'en réalité, ils n'ont aucune explication à me donner parce que ce sont des directives qui viennent du plus haut niveau de l'État français. Pourquoi vous ne témoignez pas beaucoup plus tôt en arrière? Ça fait 23 ans. Alors, je n'ai pas témoigné sur place parce que j'ai continué l'opération et j'ai appris, grâce à l'article de la revue 21, que des officiers français plus courageux que moi avaient décidé de rapporter le fait à la direction, donc à l'état-major français, pour leur dire qu'ils trouvaient totalement anormal qu'on réarme des génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous sommes sous mandat humanitaire et sous un embargo de l'ONU. Voilà, pour moi, le sujet, il est là. J'ai assisté à cette livraison. J'aurais dû sans doute faire comme eux. Je ne l'ai pas fait, mais je salue le courage de mes camarades qui l'ont fait. Vous aviez raconté de manière romancée votre expérience au Rwanda dans un livre qui a pour titre « Vent sombre sur le lac Kivu ». Pourquoi, selon vous, ce génocide continue de hanter la France près d'un quart de siècle après ? Pour une raison simple, c'est que 23 ans après les faits, nous ne connaissons toujours pas le rôle que la France a joué dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et ce ne sont pas avec les dénégations comme celles que je viens d'entendre que nous arriverons à savoir ce qui s'est passé en réalité. Il faut ouvrir en réalité les archives, il faut permettre aux historiens d'éclairer les Français sur ce qui s'est passé, et il faut laisser les citoyens français
juger par eux-mêmes plutôt que de leur expliquer ce qu'ils doivent en penser. Mon avis, comme ayant été un acteur de cette opération, c'est que ce que nous avons fait ressemble étrangement à de la complicité de génocide. Et je pèse mes mots. Merci d'avoir répondu à nos questions, Guillaume Ancel. Je rappelle que vous êtes un ancien lieutenant-colonel de l'armée française. Vous étiez présent donc au Rwanda au moment des faits avec l'opération Turquoise. Un homme aujourd'hui de 84 ans, un ancien général français. Jean Varré apporte son témoignage sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Il dénonce les fautes et la responsabilité de Paris. Dans un entretien à Mediapart et Radio France, on y revient avec Jean-François Dupaquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, journaliste, vous suivez le dossier depuis 25 ans. Alors cet ancien militaire témoigne des faits qui se sont produits avant le génocide des Tutsis, dès 1990, avant donc la mort du président Habyarimana. Vous aviez déjà interrogé Jean Varré en novembre 2018. Il raconte une discussion marquante. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le général Jean Varré a longtemps hésité à s'exprimer en public et je l'avais rencontré il y a déjà une dizaine d'années. Il était déjà très clair dans ses explications, mais il ne souhaitait pas faire connaître son appréciation sur le rôle d'un lobby militaire au sein de l'Élysée au Rwanda pour une sorte de guerre coloniale complètement surannée. Et il a décidé de parler parce qu'il a eu un grave accident de montagne, il a frôlé la mort et il s'est dit « je ne peux pas ne pas témoigner de ce que j'ai vu, vécu, c'est un homme blessé, il a été... On lui a retiré ses fonctions au ministère de la Coopération, à la mission militaire de coopération. Et il y a une phrase hein, qui marque particulièrement dans cette discussion dont il vous a parlé. Oui, alors je gêne car je ne suis pas dans le camp des amis des Hutus que l'on doit aider à combattre les Tutsis. Enfin, il a dit plusieurs phrases, mais celle-ci est particulièrement intéressante. Il montre que Paris a conduit une guerre au Rwanda sans que les Français le sachent, parce que c'était une guerre secrète, et que cette guerre a conduit des militaires français à devenir pratiquement les ennemis d'une catégorie de la population qu'on appelle les Tutsis. Alors l'ancien officier revient aussi sur un événement de 1993 où il dénonce l'action des forces françaises. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Eh bien, les forces françaises ont mené une incursion en Ouganda, en violation de toutes les règles qui leur avaient été données, mission d'ailleurs assez secrète dont on ignore encore en détail le but, semble-t-il une mission d'espionnage et de renseignement. Et le général Jean Varré, quand il a découvert cette violation de ses consignes, s'est dressé évidemment contre cette opération. Il a interpellé les militaires du premier RPMA qui l'avaient mené, à la suite de quoi, trois jours plus tard, on lui a dit qu'il n'avait plus d'ordre à donner au Rwanda à ses militaires. Alors l'ancien général hein, dit ne pas avoir été écouté. Qui aurait pu bloquer ces mises en garde dans l'entourage du président de l'époque, François Mitterrand, et pourquoi ? Le général Varré ne veut pas citer de nom, mais il est clair, aussi bien dans son livre que dans les conversations qu'on peut avoir avec lui et l'interview que j'ai conduite au mois de novembre, qu'il vise deux personnes, essentiellement le général Christian Queneau, qui était le chef de l'état-major particulier du président de la République à l'Élysée, et le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Hubert Védrine. Il pense clairement que ce sont eux qui sont les principaux responsables de la dérive de l'intervention française au Rwanda. Alors 25 ans après le génocide des Tutsis, alors les langues continuent à se délier hein, chez d'anciens officiers français, je pense à Didier Tauzin, Guillaume Ancel, sur cette responsabilité de la France. Pourquoi la situation semble figée aujourd'hui ? L'armée a joué à une sorte de bloc pour protéger à la fois ceux qui auraient désobéi aux ordres ou ceux qui auraient commis des fautes, ceux qui auraient eu des erreurs d'appréciation sur le terrain. Mais l'armée a commis une autre erreur, c'est de vouloir défendre les politiques. Car dans cette affaire du Rwanda, la responsabilité est d'abord une responsabilité politique, pas une responsabilité militaire. Donc, par exemple, le général Lafourcade, qui a créé l'organisation France-Turquoise, veut défendre les politiques, mais ça n'est pas son rôle. Aux politiques de s'exprimer et surtout aux politiques de déclassifier les documents qui permettront aux Français de comprendre dans quelle tragédie ils ont été engagés malgré eux. Merci beaucoup Jean-François Dupaquet d'avoir répondu à nos questions. Alors vous publiez en ce moment aux éditions Cartala les Seychelles, l'envers de la carte postale. Il est aussi question du génocide. Oui, parce que les Seychelles ont participé au génocide en livrant des quantités d'armes, environ 80 tonnes d'armes
aux autorités génocidaires au mois de juin 1994, en violation de l'embargo de l'ONU. Et c'est un des aspects que j'examine dans ce livre, c'est cette histoire où on voit que Paris joue un rôle extrêmement trouble dans ce trafic. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV5 Monde. Merci. –